Is it possible to park here? Yeah, just pull in over there while this works. Thank you very much. Une consonne, c'est en option chez lui ou Non. Regarde ça. Parfait. L'histoire finalement de cet observatoire, j'imagine que c'est aller au-delà astronomique, donc on va aller se rapprocher. L'observatoire qu'on a vu très récemment peut-être dans le film La La Land. Non, parce que je crois que c'est dans une de mes créations YouTube, on peut voir des scènes que j'avais tournées dans GTA 5, justement quand je parlais d'immersion. Et mon personnage de GTA 5, j'avais tourné dans GTA Online exactement ici, dans la version de... Je sais même plus le nom de la ville en fait. Donc c'est intéressant que ce soit la première étape du road trip parce que je crois que c'est le premier endroit en fait qu'on... On a été quand on est arrivé à Los Angeles la première fois il y a à peu près 6 mois. Ouais, c'est ça, on est arrivé de nuit. On a été en PLS pendant une journée entière parce qu'on était en mode putain, qu'est-ce qu'on a fait? On connaît pas, on a pas envie de sortir de chez nous, on a peur. Et ça tombait bien parce qu'il y a eu une espèce de tempête à la con, il a plu toute la journée donc on est resté sur Netflix en fait. Et je crois que le premier truc qu'on a fait en sortant de chez nous, ça a été de louer une bagnole et de venir ici. Ça fait 9 jours qu'on est de retour pour la deuxième fois à Los Angeles et finalement on atterrit là où on avait commencé. Quelque part je trouve que c'est très bien en fait, mais vraiment j'aime bien cette phrase, une journée, une destination, et ça correspond très bien à notre façon complètement à l'arrache de nous organiser. Et pour le coup là je suis pas tout seul, parce qu'évidemment ça à chaque personne que je suis à l'arrache niveau organisation, quoique il y a quand même du mieux ces derniers temps, mais même Mélissan quand même suisse, tu vois, il y a pas besoin de dire plus, finalement bah, ça lui correspond, on est des gens spontanés et puis c'est tout. Donc là on est à l'observatoire, il est beaucoup trop tard pour planifier une route de 6 heures. Mais on s'en branle parce que c'est cool et c'est ce qu'on veut. Et puis on est dans l'énergie du moment. Donc voilà, l'observatoire, je sais même pas, ce serait pas mal qu'on arrive à rentrer dedans. Encore une très très belle vue sur Los Angeles depuis ici qui est quand même relativement inspirante. Là on est vraiment au pied de l'observatoire, c'est un musée en fait, enfin, c'est un musée d'astronomie, ça parle du Golisoire en tout genre, mais ce qui pourrait être intéressant ceci dit, c'est que je vous montre à l'intérieur, il y a une sorte d'expérience qui dure depuis je sais pas combien de milliards d'années en Grèce, je sais pas exactement quand ça a été fait, mais il y a très longtemps, et c'est une sorte de pendule qui a permis de démontrer la rotation de la Terre ou quelque chose comme ça. Et en fait, le pendule reste sur la même trajectoire et la Terre bouge dessous. Et ça fait. Enfin, on va essayer de vous montrer ça à l'intérieur. Ça vous a plu, on a essayé de prendre un petit peu d'images, on verra comment ça se montrera. On a eu un petit souci de batterie. Okay, voilà, donc vous allez sûrement voir sur la vidéo switcher de qualité. Malheureusement, on a dû changer de téléphone. C'était le premier essai, c'était l'observatoire. Je pense qu'on va rester là-dessus puisqu'on va faire vraiment une destination à la fois. On va pouvoir passer sur l'objectif San Francisco demain. C'était le premier épisode de ce journal de bord de votre capitaine. On se retrouve du coup très très vite pour la suite du journal de bord de ce road trip Los Angeles-Austin. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.